Rachi. Ouais, voici John. Bonjour. Là, c'est du Fortini, ça. Ouais. Là, du Closoria. Ouais. Il y a Fleury, donc ils se divisent. Ouais, moi, c'est pareil, là, je viens de remarquer ce matin, là, quand je t'ai cherché des agaves pour toi. Là. J'ai mon. Bon. Avec Alexandre Rémy, on hésite sur du. Comment ça s'appelle du. On a acheté des Rostrata, mais pour nous, c'est du Rigida. Ah ouais. Puis j'en ai deux, ils poussent vraiment pas terrible. Et là, ils m'ont sorti en 15 jours deux lances de fou. Ouais. Impressionnant. Mais c'est dommage là, que quand ils fleurissent, qu'ils se divisent, c'est moins beau en fait. Hein, ouais, ça dépend. Moi, j'aime bien sur. Enfin, sur le. Rigida puis Rostrata, j'aime bien quand ça se divise. Ouais. Après dans les milices là. Ouais. Ça paraît, tu vois, je suis un peu déçu sur le Camiros. J'avais acheté du Vulcano et puis du Cireferro. Ben Cireferro pourtant ça vient de la classe marocaine. Et ah ouais. Sur les deux, j'en ai un, il est complètement mort. Et puis le deuxième il repart mais. Bizarre. Alors tu vois que le milice normal. Ah ouais lui il est bien. Ça tient bien quand même quoi. Lui était tout petit, tu vois, il n'y a pas longtemps qu'il est là. Mmh. Super. Ça fait combien de temps que tu l'as mis celui-là en plein en terre? Ça va faire 2-3 ans. Hein. 2-3 ans hein. Il était vraiment tout petit. 2-3 ans? Ouais, toi, t'as dû l'acheter plus ou moins comme ça aussi. Là. Ah non, il était petit. Ah ouais? Mais là, ils sont bien, c'est comme mes bambous, j'ai rien mis, tu vois. C'est humide, tu vois, c'est près du fossé, ça pousse super bien. Et là, t'as quoi comme terre ici? C'est argileux. Argileux? Ouais. Mais bon, je fais un sacré mélange, tu vois, à chaque fois, je fais un gros trou. Hein. Parce que chez moi, c'est pas ouf, la croissance sur les émilis. Il m'en avait été dit qu'il m'en avait donné un gros en style buisson. Hein. Ouais. Bah derrière, pareil, il pousse pas bien, il est plus vraiment, il pousse vraiment, il est bien. Ah, puis là, t'es à l'ouest, là, par l'ouest, ouais. C'est comme les Jopolensis, les Albizia, ils conseillent de le mettre plutôt au sud et puis ouest. Peut-être pour ceux qui poussent bien. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Puis près du fossé, tu vois, c'est un peu humide aussi. Là, c'est du Rufo, ça. Ouais. Mais ça, je vais le tirer l'année prochaine, ça gagne trop en fait. Pousse partout, je suis envahi. J'ai mis les miens, j'ai taillé, je crois que j'ai un peu trop taillé, je sais pas pourquoi il crame le truc. Ah ouais? Bah ouais. Pourtant c'est costaud ça. Bah ouais. Pourtant j'ai rien fait, j'ai juste taillé un peu au pied pour gagner un peu de place et je sais pas, il part en couille. Moi je fais des cubes à chaque fois, tu vois, des carrés, regarde. Ouais. Ah bah ouais, ça va, sur du bambou, ouais. Ouais. En plus, comme tu dis, avec ton fossé. Ah ouais, ils adorent l'humidité là, c'est nickel. Là encore un Trashy Fortuny. Ouais. Là, tu as acheté comme ça à peu près? Non, non. Un peu plus petit quand même. Ils sont moins beaux que derrière, par contre, tu vois, derrière, ils posent des choses. Ils ont pas encore fleuri. Combien de temps celui-là? C'est plein de temps, pour les 2-3 ans. 2-3 ans? Ouais. Oh, c'est bizarre. Ouais. Après, quand tu vois, regarde, l'humidité et tout, lui, il pousse mieux. Enfin, moi j'ai mon humidis comme ça, il a bien fleuri, mais pas de graines, rien. Alors qu'à côté j'avais un pied femelle, mais. Oui, mais. Ça pousse pas. Rien du tout, hein. Ouais, c'est bizarre. Mais lui, tu vois qu'il va chercher la lumière, tu vois, comme il est enfermé, il fait ça. Ouais, bah ouais. C'est pareil, j'ai un trashy qui est à l'ombre, tu vois, là. Les pétioles font 2 mètres ouais, carrément en l'ombre. Il n'y en a plus là. Non. C'est là-bas. Ouais. Ça ressemble un peu à l'entrée à Teddy, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Teddy, ouais. Sur le pétiole et puis le pavage. C'est gros. C'est gros sujet, ouais, là, le long. Ouais. Pareil, il y a un fossé de fou. Ça fait flipper quand je vais chez lui. Albizia. Voilà.
aussi du Yuka Glossoria aussi, ouais, je pense. C'est le même, ouais. Pas de Filamentosa, t'en as aussi, non? Non, je l'ai pas, non. T'as Butcha Capitata. Ça, ça fait combien de temps? Ça fait 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais. Puis en temps, il faisait pas la moitié. Ouais, ouais. Non, peut-être pas à moitié, t'es dans le 3/4 sur le... Ouais. Ouais. Ça que tu avais trouvé à Auchan, je crois. Auchan, ouais. 50. Ça valait le coup. Ouais. Tu avais acheté celui-là, moi j'avais pris le Brayol. En moto, j'étais venu. Ah ouais. Ah, pareil, j'étais à moins 50. Ouais. Pas de saison, mais ils font plus trop maintenant. Ouais, puis t'as encore du choix, non? Bah, moi, à la fin de saison, non. Ouais, non, mais même en début de saison. Ouais. Parce que je crois que c'est Auchan Saint-Omer, je crois que c'est le premier ou deuxième plus grande serre Auchan. Ah ouais? Apparemment, je crois que c'était la première serre Auchan, je crois. Ouais, bah elle est bien grande, ouais, du choix. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, hein, des serres Auchan. Et toi, où tu vas, c'est grand aussi, c'est où Bah non, moi, c'est pas vraiment très grand, c'est que Florian, à l'époque, il gérait bien, quoi. Il n'y a pas de serre, hein. C'était en rayon, quoi. Ouais. Florian, il arrive à se débrouiller pour trouver des trucs sympas, quoi. Et puis, c'était débrouillé pour avoir du Plumerio, justement. Bah, je l'avais acheté aussi à Auchan. Il y a 2-3 ans, là, je l'avais acheté 4-5 là-bas. Et puis après, pareil, il avait essayé de voir pour du jube, mais... Ah, je leur ai demandé plein de fois, du jube. Jamais de réponse. Je leur rappelle, ouais, on est en train de boire, mais... Dommage, on aurait du jube... Là-bas, ça comptait bien. Ah ouais, carrément. Hein. Ça fait un mois 50 en fin de saison. C'est clair. Bah, même en début de saison. C'est mon rat à voir. Bon, encore du Glossoria. Ouais. Deux Trachycarpus. Ça, c'est du Forcigné aussi. Ouais. Ça, c'est du Fornium, je pense. Ouais, Fornium, ouais. Là-bas, il y a le petit Fatsia là-bas. Pareil, t'as dit, t'as vu le chien de Fazio Japonico, ouais, là, ouais. Ça, c'est un spider, celui-là, non? Je crois, ouais. Il pousse pas trop, tu vois. Ouais, ça dépend... Bah, pareil, je crois, il y a Geoffrey qui en a mis un comme ça. Il disait que le chien, pareil, il poussait pas de ouf. Après, c'est peut-être la variété. Hein. Je ferai un montage. Après, tu coupes et tu... Ouais, je referai un montage... Celui-là? Ouais. Celui-là, c'est un Wanyarani. Trachycarpus oreophilus. Le mien, il a bien poussé là, cette année. Là. Ouais. Il a stagné pendant un petit moment, là, mais là, je trouve que cette année, franchement, il a vachement bien poussé. Pourtant, il est à mi-ombre. Ah, il était vraiment petit, là, celui-là. Ouais, moi, pareil, il a acheté tout petit. Celui-là, c'est un Wanyarani. Il a du mal, tu vois. Wanyarani, celui-là, t'es sûr? Ouais. Ce qu'il m'a dit, regarde sur le côté, là. Regarde, tu vois quand ça fait ça sur le côté, en fait. Ouais, justement, quand ça fait ça, souvent c'est un Ukrainensis. Ah ouais, tu crois? Ouais. Ah, moi il m'avait dit. Non, parce que pour moi, c'est pas. Ça, c'est pas du Wagnerianus. Ah non? Non. Wagnerianus l'a fait carrément plus dur et plus épais, ça. Pour moi, ça, c'est plus un Ukrainensis ou un Mighty Pure. Enfin, c'est les mêmes, mais. Ouais. Ah, il m'avait dit, tu vois. Et moi, ça, c'est. Après, il était tout petit, donc peut-être du mal à différencier quand. Bon, voilà, ça aurait été un Wagnerius, je le verrai tout de suite. Mais justement, c'est la particularité de l'Ukrainensis quand ça fait ça. D'accord, sur le côté. Ouais. Ah, du coup, derrière, bah, c'est le même allongé. J'en ai un qui fait pareil. Tu vois. Mais pour moi, je suis sûr aller à 95%, c'est pas du Wagnerius. Même tout petit, franchement, tu vois direct que la feuille elle est vachement épaisse, dense. Ah. Puis c'est beaucoup plus court au niveau de la pole. Bah tant mieux. On va voir celui-là qui a Wagnerius. Teddy, en avait des. Parce que ça vient de chez Teddy, ça. Des quoi? Ceux-là. Vous connaissez, c'est moi, j'en ai deux qui viennent de chez lui. Et puis lui, il en a. Bon, il doit en avoir une dizaine, je pense. Hein. Et il disait que les siens, lui, ils poussaient 50 cm par an. Finalement. Entre 50 et 60 cm, c'était les plus rapides.
Canariensis. Soit tu l'as mis récemment, je crois. Ouais, la dernière. Ouais. Après, à côté, bon, je dirais pas le nom parce que je m'en rappelle plus. Cordiline. C'est des quoi, une Divisia ou. Non, Australis. Australis ouais. Je savais pas que ça faisait du multitron comme ça. Ah, si, si. Ouais. En fait, il a failli mourir l'hiver il y a combien ? Il y a 2-3 ans et du coup, il est reparti en multitron. Ah ouais ? Je savais pas. Ah, ça va faire chouette quand tu viens de voir. Ah, carrément. Il y a un machin quand même avec gros, un pote Franz, qui habite à Boulogne-sur-Mer, enfin à Saint-Mé. Les chiens sont. Ils ont pris cher, je crois, cet hiver là. Et les chiens sont vachement grands. Ah ouais. Puis son voisin, ils ont il a des cordines, le tronc, des copes. Carrément. C'est beau, hein, ça fait. Alors qu'ils habitent à 15 mètres de l'un de l'autre. Lui, hein. Ses troncs sont tout petits, vachement roux. Son voisin, tu vois le tronc qu'il a. Tritrinax campesti. Ouais. Moi, le mien, il m'a fait. Pris en même temps. Ouais, ouais. Moi, le mien était plus petit, hein, quand même. Ouais. Mais le mien, il est mort. On lui va bien, tu vois, mais en fait, il stagne, ça pousse pas trop. Ouais. Ça. Bah, je crois que c'est Isabelle, qui habite du côté de. Béthune, là. Le chien, il est vachement gros. Ah ouais. Mais apparemment, la croissance, elle est folle. Ah ouais, moi, rien du tout. Oui, il est resté un peu comme, comme quand je l'ai eu. Allez, il a fait 3-4 feuilles, c'est tout. Mais moi, je crois qu'elle l'a mis dans un angle de mur comme ça, là. Comme ça, tu sais. Et apparemment, la croissance, elle est folle. Bien, elle brille, ouais, peut-être. En tout cas, ça stocke la chaleur, je sais pas, mais. C'est cas, elle est beau, tiens. Terre, il est bien un simple voile, l'hiver. Le mien, il a souffert. Il a tout eu. Les coquilles, le gel. Il était bien reparti, il a fait une paire de. Ouais. François, tu vois, c'est. C'est une bonne surprise aussi, quoi, je trouve. Ouais. Pour la région. Mmh. Ouais, moi, il est resté en pot une paire d'années. Hein. Après, je décide de le mettre en pleine terre. Bien. Ça, c'est un truc où tu croirais que ça tient un pot, puis ouais. Au final, franchement, c'est quand même costaud. Il fait super bien, il fait plus de feuilles à l'extérieur que quand tu le mets en pot, tu rentres. Hein. Ouais, carrément. Tu l'avais trouvé où celui-là ? À Gambert, à Saint-Martin, ouais. Il y a longtemps que j'ai celui-là. Il reste longtemps en pot. Il est stagné, là, il part bien. Ça fait 3 ans qu'il est. Il est beau. Bon, là, la gave, je prends pas de risque. C'est un petit Roger, ça. C'est quoi ? C'est de l'Americana, non ? Ouais. Puis d'à côté, c'est. Alors là, je l'avais acheté à Famiflora, c'est une sorte de Yukon, mais je sais pas le nom. Qui n'était pas rustique du tout et ça fait 4 ans qu'il est en pleine terre. Ah ouais. Même si c'est pas rustique. C'est ça, toi ? Ouais, j'ai un doute sur le nom, mais je crois que Geoffrey là, le même. J'aime bien, tu vois, il fait pas énormément de feuilles, mais tu vois. Ouais, puis la couleur, elle est sympa. Ouais. Je me rappelle plus du nom. Je crois que Geoffrey là, le même. C'est vrai que je regarde avec. Un peu de raisin. Ouais. Et la lumière des oiseaux. Comment ça ? Bah, il est. Ouais, il est pas mieux. Sucré en fait, tu vois. Ouais. Faut attendre pour que ce soit plus sucré, mais les oiseaux s'en chargent avant. Ouais. Les côtes Joël. Ça, c'est pareil, j'ai essayé en pleine terre. Ça tient quoi ? Non, je le rends différent. Bah, en fait, moi, bon, je l'ai mis en pleine terre et passé l'hiver nickel, puis au printemps. Ouais. Bizarre. Et ppareil, il y avait Sam, pareil. Samuel, pareil, j'ai. Ça tient l'hiver, puis au printemps, ça claque d'un coup. C'est ça. Le cordyline aussi. Hein. Trachycarpus fortunei. Trachycarpus fortunei aussi. Je me trompe, tu le dis. Hein. Ouais, c'est ça. Fortunei aussi en multitron, là. Ça fait longtemps que je les faisais 10 cm, les 4, là. Tu vois, ça faisait 10 cm, ça restait en pot, j'étais pas en appartement. Mmh. Ils sont vieux, ça. Et là, tu connais les sexes, non ? Non. Ils n'ont jamais fleuri si, non plus ? Si, fleurit, ouais. Ouais. Les deux, ouais. Ça, c'est bon, là, ça peut être sympa. Après, si tu peux faire de l'hybride avec ceux que tu auras devant ou les autres que tu as. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. C'est ouais. Là, c'est pareil du. Ouais. Olivier. Le
eucalyptus pulverantha. Ça par contre ça pousse vite, puis ça pousse gros et fort quand même. C'est beau, hein. Ouais. Putain, qu'il pleut pas en fait, tu vois les feuilles, elles restent un peu blanches. Dès qu'il pleut, c'est fini. Ça, puis j'aime bien tout ce qui est couleur comme ça, un peu argenté. Puis l'odeur. Bien, il fleurit tout le temps. Ouais. Non, c'est pareil du canarinésis. Ouais, c'est ça, ouais. L'année dernière, il y a... c'est peut-être pas dépassé. Non, moi, je suis en full. C'est pas grave. On a Phoenix théoprastie. On voit les rejets là. Ouais, j'ai coupé, il y en avait pas mal. Il y a... Et celui-là, ça fait combien de temps que tu l'as mis? Lui, ça fait 4-5 ans. 4-5 ans? Et puis c'est pris combien en température au maximum? Il fait combien? Ouais, moins 10 on va dire. Ouais, il y a deux ans qu'on a mis moins 10. En plus, c'est un peu de voile, rien du tout, pas de fil à rien du tout. C'est étonnant. Ouais. Il est beau aussi, j'aime bien, avec sa couleur un peu jaune au niveau du stipe. Plus long à pousser, en fait, tu vois. Tu fais aucun apport en engrais dans aucun des palmiers? Non, j'en mettais pas, il y a que cette année, j'ai acheté de l'engrais, je l'ai mis un peu là. Et bon, ouais, Moralie. Il met des tourikiki, manque d'eau, en mouille en pleine terre. Ah, j'ai arrêté, moi en pleine terre, je le faisais. Et l'hiver, je le rentrais, je le déracinais. Ouais. Dans le garage, mais j'ai arrêté, là, je l'ai mis en pot cette année. Donc ça va rester bien, tu vois. Oh, puis ça paraît pas, mais même petit comme ça, quoi, il est plein d'eau, ça fait un rude pot quand même. C'est 100 pots, hein, carrément. Plus il y a d'eau, plus il peut faire. Ouais, carrément. Bon, moi j'ai arrêté d'arroser, pareil, pff, il pousse que dalle. Fortuné aussi. C'est quand même des beaux sujets. Hein. Ouais. Bon, Fortuné, c'est quand même des grands. Hein. Ça, c'est combien? 7-8 ans qu'il y a. Bien, t'as combien de kilomètres de la côte ici? 50. 50. Encore au strata, tu vois une belle taille. Hein. Ouais. Tu verrais, ça que tu passes à l'occasion sur Arras, tu verrais, le mien il est large, mais. Ah ouais, ce point. Ouais, carrément. Je sais pas si c'est l'emplacement ou la chance. Et t'arroses, non? Enfin, rien du tout. Rien du tout. Bah, je l'arrose pas justement parce que. Après, ça fait des taches noires, tu sais. Ouais. Et puis, tu vois toutes les. Sur le mien, tu vois toutes les périodes, tu vois les périodes d'hiver, été. Ah ouais. T'as fait une tranche noire, une tranche bleue, une tranche noire, une tranche bleue. Mais franchement, c'est pareil, celui-là. Alexandre Rémy, c'est pareil, on l'a acheté au même endroit et c'est pareil, c'est il est bof aussi. C'est bizarre, tu vois. Trachy. D'ailleurs, c'est un sumac. Ouais, c'est ça. Ça, c'est beau aussi, ça, ouais, l'automne, beau. Quand ça fait des feuillages un peu jaune, tricolore. Ouais. Oh, il est petit. J'ai mis la. Moi, ça pousse vite, ça, je crois. Ouais. Par contre, faut faire gaffe, je crois que c'est assez invasif. Ça pousse assez rapidement partout, ça. Des petits trachis en attente, ah, là-bas. C'est en attente, c'est ceux d'au champ, moins 50. Ah bah, c'est ceux que j'avais pris aussi, moi. Ah, le premier butcher, je me rappelle. Ouais. Toujours Capitata, celui-là. Ouais. Tu l'avais à Auchan aussi, celui-là. Celui-là, je sais plus. Non, je l'ai vu à Floralux. Floralux, ouais. Il était petit, il est vieux celui-là. Tu vois, il est pas. Bah, je crois que tu vois, quand il l'a acheté, Geoffrey, il était un tout petit peu plus petit que celui-là. Ah ouais. Mais tu verrais comment il est maintenant. Combien d'années? Bah, il n'y a pas longtemps. Franchement,
quand je vais à Ardemont, il ne souffle pas, peut-être 4-5 ans. Mais plus gros, encore plus gros que le chien. Franchement, il a super bien poussé le chien. Puis ouais, je crois qu'il a payé 70 balles, je crois. Un petit peu plus petit que celui-là. C'est pareil, les butios, ça a augmenté. Ouais, c'est hors de prix. Là, c'est Camerops Compacto. Je sais plus, ouais, ça fait un peu comme un buisson. Je sais plus. Ouais, c'est un Vulcano. Vulcano ou Compacto? Vulcano, ouais, c'est ouais. Ça. Alors, je sais pas trop, normalement, je sais pas si c'est deux espèces différentes. Mais moi j'en avais un pareil, c'était Vulcano Compacto. Alors, ouais. Je sais pas si c'est vraiment deux espèces différentes. Après, si c'est tough comme ça, c'est un petit buisson, ça. Ouais. Ouais. Mais pareil, le mec, il n'y a pas passé l'hiver. Ah non. Pourtant, celui-là, pas de voile, rien du tout. Ah ouais. Au moins, il y a la neige, je sais pas si la neige ou la flotte, mais. Ouais, mais ouais. On verra bien. Bon, je le retente celui-là. Là, c'est Americano aussi, ouais, celle-là. Cordine Restart. Ouais, mais elle était grande, hein. Elle est morte. Elle ouais, ouais, ça fait, ouais, moi, pareil, ça fait ça. Ici, elle tient pas, alors que là-bas, tu vois, elle tient super bien, bizarre. Ah ouais, ouais. Tu la protèges là-bas? Non, je protège pas, non. Et là, pourtant, là, je la protège, toi, donc j'aurais pu la protéger peut-être. Parce que elle est pas très rustique, celle-là. Non, non. C'est un formium. Bon, la formium, ouais. Ça, ça donne un bon style tropical aussi, ouais, j'aime ouais. Bien. Puis ça fleurit, ça fait de ces trucs. Ouais. Bah, le fleurison, je vois pas ce que ça fait, mais. Ça fait de ces fleurs, j'avais eu. Cette année, j'ai pas eu, mais c'est la dernière, mais. Bon, je vais en mettre un de ça. Camerops humilis. Ça, c'est. Comme tu m'as dit tout à l'heure. Crenesis ouais. Non, le trashi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Crenesis. Ouais. Ouais. Mais ouais, moi je suis quasiment sûr que c'est. On aura les avis dans les commentaires, mais je suis quasiment sûr que c'est Crenesis ou Manipur. D'ailleurs, c'est quoi le truc Ça pose, c'est la couleur. Ça, c'est. Mimosa. En fait, ouais. J'en avais un grand de 5 mètres. Ouais. Avec le vent, il y a fait du vent là. Ouais. Cet hiver, c'est ça. Ah, il s'est cassé. En fait, ça, c'est ces petits rogers, quoi. Tu vois, il y en a là. Ouais, ça n'a pas la couleur. Là. Mais il était énorme. Il fleurissait, tout ça. Ça tient, ça, ici. Ouais, il tenait bien. Il était par le vent, le bois s'étend, en fait, hein, et le bois. Ouais. Ça, c'est du prêle. Ouais, pas du Japon. Ça c'est du notre variété de bambou celui-là. Ça c'est du nigra, ouais. À côté, c'est à côté du. C'est du je sais plus, tu vois, il part en zigzag. Là, c'est. Ouais, j'ai perdu une nancy. Bon, je vois lequel, mais j'ai perdu une nancy. Ça c'est un maomi, ça. Trashi, Camerops Lucano, ouais. Toujours Glossario derrière. Ouais. Derrière c'est Miscanthus, c'est bien. Hein. Le poisson je connais pas. Miscanthus giganteus, l'herbe à éléphant que j'appelle ça. D'accord. Ça c'est mise à bajou. Ouais. Si je n'avais des je cours avec le tronc. Après je les ai coupés là par ils sont petits tu vois. Moi c'est pareil, ils poussent pas. Alors je sais pas si ils sont dû à mon terrain qui est trop crayeux et puis que l'eau a le. T'arroses non? Non j'arrose là. Ouais faut arroser ça. J'arrose pas non plus. Mais moi, mon plus grand il fait la taille d'eau. Ah ouais. Oh, notre bambou, c'est notre variété, ça, non? Non, c'est la même que les jaunes là-bas. Ouais. Un Jubeo Chilensis, tout récent.
Ça, tu l'as porté année, ouais. Ouais, cette année. Ouais. Ouais. Et, au coup, il y a un mois et demi. Ouais, ouais, ouais. Petit butage. Longue vie à lui. Cage aux oiseaux. Quand un tranchis. Les bambous, c'est les mêmes. Voilà, ouais. Ça, c'est quoi? C'est des cannes, ça? Non? Ouais, c'est ça. Bah, je sais plus exactement le nom, hein, comment ils appellent ça, mais ouais. Celui-là, ça repart tous les ans, je compare. Ouais. Ça fait beau, t'es par terre comme ça. C'est étonnant que ça tombe pas, ça. Ouais. Même quand il pleut, ça tombe pas. Non, ça tombe pas, non. C'est pas moi, je peux pas ça. Si je fais ça avec tous les chats qu'il y a chez moi. Ah ouais, ils vont gratter, ouais. Ils y tirent pour. J'ai des 4 chats, mais avec tous les autres, c'est tombé. Donc là, c'est un petit sabal mineur, là. Tu l'avais vu chez Teddy, non? Ouais. Il est beau. J'avais acheté un chez lui aussi, là, et il avait fleuri. Après, il s'est fait démonter la tête par le vent. Ah ouais. Il est reparti il y a un an. Là. C'est fragile. Ouais. Il y a le palmetto là-bas au bout. Il y a le palmetto, tu avais trouvé où? Chez Teddy aussi. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Mais t'as même chez Teddy, on parlait tard du Trétrinax là. C'est le sien dans la serre. Magnifique. Camarops, il y a de chez lui aussi là. Camarops Midis. Ah, c'est vraiment dommage qu'il arrête, je t'ai dit, parce que... Il y a des beaux sujets. Hein. Carrément. Ah, c'est une américaine aussi. Ouais, c'est le petit Roger de la grosse là-bas. La glossoria, c'est quand même bien. Ouais, ouais, ouais. C'est une valeur sûre, et puis ça donne quand même un côté... Ouais, ouais. Encore une cordyline. Ouais. Ah, c'est étonné que ça pousse comme ça. Ouais, tu vois, c'est redivisé en fait. Carrément. Ça, je sais plus le nom, je l'ai sur le bout de la langue. Ça ouais, des élériens. Ouais, c'est ça, des élériens. Tu vois, c'est bizarre, un. Il en reste plus qu'un, le reste, c'est mort en fait. Ouais. Pour moi, c'est du Wallery peut-être, non? Moi, ouais, je sais plus. Ça ressemble un peu à du élériens Wallery, avec le truc dentelé comme ça. Ouais. Mais ça, c'est du Wallery. T'as déjà vu la floraison, non? Non. Jamais fleuré sur. Ah, j'ai vu sur le net. Ouais. C'est une sacrée. La floraison, ouais. Ouais, même petit comme ça, elle monte à 2-3 ouais, mètres. Énorme, hein. J'ai toujours été impressionné par la floraison de ce truc-là. Tu l'avais trouvé celui-là? Ah, Famille Florent. Ouais. Famille Florent. J'en avais deux, mais le deuxième est mort. On l'avait mis à la boîte, mais il n'est pas ici. Ouais. C'est bizarre qu'il ait séché comme ça. Ouais, ouais, il est triste. Bon, l'hiver, ça aime pas trop ça. Tu le protèges, non? Non, protège non. La boy, t'es protégé, mais tu vois, il n'y a pas de. J'aime bien en Deuxéléon, c'est le longissimum. Ça fait un peu comme de la ciboulette. Ah ouais? C'est trop beau. Je voulais en prendre un il y a 2 ans. Puis bah, après, au final, je suis parti sur le jus, donc ouais. J'ai pas pris. C'est déjà un gros sujet. Et... un peu le prix. Du Fortuny, Camero Sumis. Derrière, c'est un eucalyptus, mais je ne sais pas lequel. Je sais plus le nom non plus. Hein. On fera une enquête. Bon, après, avec ouais. Gave Americano. J'avais une grosse aussi, tu vois, jaune, vert et jaune. C'est moins rustique, souvent ça tient pas. Ouais, la variegato. J'ai eu que. J'ai eu un Roger, là, je l'ai juste poussé en pot pour l'instant. On verra bien. Je le mettrai de cette tête en gabion, tu sais. Ouais. Que du gros caillou et puis un peu de sable. Moi, parce que c'est pas rustique. Ouais, même l'americano, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Ah non? Non.
J'ai essayé deux fois, ils sont morts deux fois. Ouais. J'ai réessayé sur Gabion, on verra bien. Elle est belle, hein, j'ai une belle taille. Hein. Ouais, elle est belle, ça. Puis elle est bien proportionnée. Des fois, t'as des grosses. Ouais. Elle est bien dense, puis une belle gueule. Cordéline Resta. Attends, même là, je suis étonné qu'elle est pas. Ça fait comme la tienne, elle est morte, après elle est repartie en rejet. Mmh. Bon, ça fait toujours chier, ça repart à chaque fois de zéro. Bah, c'est ça le problème, ça va jamais grand. Moi. Là-bas, l'arbre, c'est un gigot de bois, mais il y a du mal à pousser là. Lequel? Oui. Celui-là là? Ouais. Ouais. Je connais pas. Du mal à partir. C'est quoi la particularité de celui-là? C'est. Une particularité, non? Au niveau de l'eau, ouais, à l'automne, ça fait jaune, tu vois. Des super belles feuilles, en fait. Ça devient grand? Enfin, ouais, ça m'a l'air de. Ça m'a l'air de. Ça sont très. Les bambous, c'était des bambous, je sais plus le nom, le bambou géant, en fait. Mmh. 6-7 mètres, et j'avais fait ça autour pour les rogers, mais non, ça pousse pas trop. Parce qu'après, ça, c'est invasif, ça. Ah ouais, ouais, terrible, ceux-là. Ouais. Miscanthus aussi. C'est un pinus. Ouais. Ça c'est pareil, c'est marqué. C'est pour pas faire peur, apparemment ça sent bon, ça fait fort chaud. Ouais, ouais. Sol. Dans ça, enfin un peu partout. Ouais, ils sont très cool. C'est plus des fruits, quoi. Ouais. Après, il se reste l'îlot. Ouais, t'en as une autre variegato. Celle-là? Ouais. Non, en bas là. Ah ouais, ouais, la jaune, ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est un rejet que j'ai eu, mais je sais qu'il tiendra pas. Tu vois. Ça, c'est du Mufisa, je pense. Ouais, ça, ouais. Tu l'as mis récemment ou. Ah, ouais, c'est récent, ouais. Ouais. Tu dates de cette année. Parce que moi, elle a tenu dehors là, cet hiver, là. Mais sous protection. Mais elle était quand même dehors. Ouais. Là, j'ai essayé de faire un tunnel, en fait, tu vois, avec des tôles ou autre. Tu vois. Une armature de serre, je vais voir pour l'hiver. Celle-là, c'est quoi? Il y a une mini-flora, peut-être? C'est Agave. Je sais plus le nom. C'était, tu vois, au champ quand ils faisaient toutes leurs sortes. Ouais, bah, ça va être une mini-flora, je pense. Ouais. Bah, j'ai acheté la même. La même est un peu plus petite, mais plus dense. Plus dense. Ouais. En fait, j'ai fait mini-flora, j'ai demandé un peu de renseignements, un peu. Ouais, j'avais un doute. Ouais, les noms là ils sont dessus, tu vois. C'est un. Alors là, Carmi. Ouais, 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 je connais pas. Carmi. Clairement. C'est tous des rustiques à moins 15, moins 20. Ouais, ouais. Peut-être. Non, je connais pas. Mon vieux l'a fait, hop, je te disais. Hein. Ouais. Ça ressemble fort à la Santa Rita, quoi. Ouais, ouais, carrément. Après lui, c'est un. Berger, rien, tu vois. Punchon, berger, rien. Après, ça, c'est une mangave. Elle est belle. Et ça, pareil, j'avais été chez Offrine et Emilie, j'étais étonné que ça tient. Ça tient l'hiver, ça. Ouais, ouais, ça tient. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est. Ça, c'est de l'ortie, ça. Ouais. Ça c'est. Je sais plus le nom, j'ai récupéré en Andalousie. Atténuata. Je sais plus. Je sais plus, mais elle est en pot, hein, je la retire, tu vois. Ouais. Les... Je la remets dans ma serre. Ouais, c'est de l'atténuata. Ça c'est. J'en ai une, elle est magnifique. Elle est grosse. Mais. Ouais, ouais, elle est quand même. On va faire à peu près la taille d'eau. Ah ouais, quand même. Ouais.
Ça c'est un col de cygne, ça s'appelle aussi. Mais ça, à 0 degré, Ouais, ah ouais, ça ça tue. claque. Celle-là, j'ai pas le nom. Faudrait que je les marque, je me souviens plus de celle-là. Je mettais des petites étiquettes quand Ouais. même, c'est parti à. Comme des arigatos. T'as pas de nom? Un copain La de sorte, je sais plus. canapé, peut-être. Ouais, je sais plus. Tu vois, mais tes petites étiquettes avec ma mémoire de poisson rouge. Non, mais faut après, ça, des fois, ça ressemble tellement que. Rubito. Rubito, Je ouais. connaissais même pas. Et tu vois, celui-là au Puncho, Polva, pardon. Et là, demande-moi pas les noms, je sais plus. Ça ressemble à de la. Je sais plus comment ça s'appelle la. C'est Mufiso, je sais plus quoi. Ça, ça peut aussi, celle-là. Ouais, belle. Tu vois, elle fait pas C'est une de. hybride, celle-là. Elle fait pas d'épines. Hein. Ouais. Hein. Non, je l'avais aussi, hein, mais j'ai pas. Ah, si, chez JP, tu verras la collection de Fukido. Ça va faire bien. Le Ouais, deux phénix là. très bien. Ouais. Bon bah voilà, j'espère que la visite vous aura plu. J'ai qu'à faire un petit montage parce que bon, ça coupe quand même pas mal de fois. Il y a combien? Il y a une demi-heure pour quart d'heure. Ouais, ma bah, puis tout.